et parfumé fin d'après-midi, je vais vous raconter l'histoire de Charles Bondy. Cet homme aux yeux verts, aux cheveux noirs. Le jour où j'ai rencontré Charles, un mercredi de mai, dans la petite ville de Arles, le coin de la rue Bichet, il est entré derrière moi d'un pas léger de chat. À la Western Union, il n'y avait personne. Il devait avoir la vingtaine, puis dilaté, cœur en haleine. Il semblait seul, abandonné. Je lui demandais de prendre un café. Rien désormais, pleine errance. Charles Bondy. Du port, j'ai commandé de Belfort. À l'interrogateur. Et il me dit: qu'est-ce que t'as mis ici? J'ai cherché à répondre, mais aucun son n'est sorti. Je suis de Cincinnati. J'ai pas reçu mon transfert, c'est tellement la galère. La mâchoire crispée, j'ai respiré. Sa sueur m'envahissait, quelque chose de monnaie. Du chaos de ses traits, il a monologué. J'avais déjà perdu alors que je venais de le rencontrer. J'ai appuyé sur envoi. Les lampadaires montent la garde. 20h30, la nuit se fait bavarde. Je cours, je fume, je tousse. Le désir me trousse. Je l'emmène au resto de chez Jeannette. Le panneau Bruno de Castanet. Qu'il commande. À manger, parle en mangeant. Moi, j'endure crûment. Il m'envoie un clin d'œil en me montrant les dents. Pendant que j'ouvre doucement mon portefeuille. Bonne nuit, mon petit. Crevard de chien. J'ai perdu 100 euros, j'ai perdu tout mon ego pour...